écoutez-moi bien, les amis. Ce soir, on joue à Batman Arkham City. Donc je vais sûrement parler avec cette voix pendant toute la vidéo. Et non, pas du tout, parce que ça va me casser les meutes. Casser les meutes. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais joué à ce jeu. Je suis actuellement en découverte totale. La hype est présente. Est-ce qu'on va démarrer le mode histoire? Qui sait ce qui peut se passer? Je suis Batman. Regardez! Touche pas à ça, vieux! C'est trop dangereux ici! Quand est-ce que le patron arrive? Il va venir. Riley dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi. À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici? Vous feriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman! Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous décevoir, les gars. Hey Beauty! Salut! Eh ben c'est rien que toi, mais on va quand même en profiter pour... Hop là! Frapper tout le monde! Mais non! Qu'est-ce que tu fais? Oh la rapidité des coups de cette meuf! I love it! I love it! Aïe aïe aïe! C'est beaucoup, 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 beaucoup trop jouissif! Oh là là! Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. Ouais. Il est où le coffre? Ah, il est là-bas. Quel temps? Oreille de chat. Essaie un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite carte SD? Sol patte. Tu sais qu'un chat c'est très propre. Ils sont en plus que ta main. Debout, monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Strange. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale pour un reportage en direct d'Arkham City. La super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépressés. T'as pas l'air très bien, quand même. Bon... Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir... Personne n'est vraiment intouchable. Merci! Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Fermez Arkham City maintenant! C'est le chaos total! Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham. On stagne. Les mains en l'air, Wayne. On tient Wayne. Cible sécurisée. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Ok. Ce mec est chelou. D'où son nom d'ailleurs. Laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Hugo Strange. Ok, Hugo. T'as vraiment un nom
tout pourri. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous pensiez qu'on vous entendrait pas? Hop. Moi si, évidemment que je pensais que tu m'entendrais. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. T'as pas compris? T'as pas compris? Aïe. Oh mais... Enfin, un peu de... Un peu de tenue. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Wayne? On a tué son majordome? Tu vas crever ici. Je vais faire de toi mon toutou, Wayne. Mm-hmm. J'ai dit à terre, allez! Oh là. Qu'est-ce qu'on attend, Wayne? File A, allez! File A. Ok, on se croirait à l'école, ouais, ça va les gars. Vous êtes dans la file A. Eh hey, Wayne, bouge, la restaurée. Avec le pingouin a mis un prix sur ta tête. Vous deux, en ce chemin. Wayne, venez donc par ici. Casse-toi, laisse-moi passer. Bruce Wayne, t'es sur ma liste. Ah ouais? Tu sais ce qui va se passer? Bang. Je vais te péter la gueule. Mais pas tout de suite. Attends un peu, tu vas voir. Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème, n'est-ce pas, Monsieur Wayne? Oui, tout à fait. Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je sais très bien ce qui va se passer. Je peux pas croire que je vais pouvoir m'émerger. Bruce Wayne, super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Ouais. Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie? Restez calme. C'est compliqué de... Cessez à nous faire peur. De parler quand on a autant de dialogue. Tant pis. C'est le moment où je me fight. Allez. C'est le fight. Boum. Par contre, j'y vois pas grand chose. Boum. Cette caméra est assez chelou. Bim, bim, bim. Mais j'ai cliqué enfin. Mais oh. Tiens, tiens. J'ai cliqué encore. Putain, on n'y voit rien avec cette caméra, c'est terrible. C'est terrible. Il écrit contre, mais tu sais pas quand est-ce que tu dois contrer parce que, en fait, il voit que chill. Du coup, je vais juste. Putain, mais on met 10 ans pour les tuer, sérieux. What the fuck? Mais crève. Putain de bordel de merde. Ah, mais je crois qu'il faut. D'accord. Faut juste que je contre, en fait. Je crois que c'est un entraînement pour le coup. Ah, mais oui, c'est ça. D'accord. Debout, Ryder. Ça y est, j'ai compris. J'ai dit debout. En fait, il fallait juste contrer. Ils allaient pas mourir à l'infini. Regardez un peu qui est là. Oh, pingouin. Ah, oh. Forêt, t'es mort. Tu es toi. Il m'a fait mal. Lui aussi, il m'a fait mal. Pourquoi tout le monde me fait mal? Moi, j'ai rien fait. Debout, debout, Wayne. Oui, ok, ça va. Déjà, tu me donnes pas d'ordre. Oh, on a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome? Laisse Alfred en dehors de ça. Pote. Oh, tu te souviens de moi? Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça... Une bonne vieille vengeance. Tu veux savoir ce qui va se passer pour toi? Je vais te péter le bras. Chopez-le. Voilà. Ok. Alors. Est-ce que il faut que je fasse que des contres pour les buter ou pas? Non. Bon bah écoute. Aïe. Je vais y aller comme ça. À la barbare. Boum. Normalement, il change de cible quand je fais ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi tu tapes dans le vide, enfin, espèce de débile mental? C'est échappé. Comment c'est possible? Oh, maintenant que j'ai les points libres, vous allez tous crever. Bim, 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 bim. Pouf, putain, le vol qu'il a fait, lui. Mais quoi? Trop lent. Trop lent, Bruce. Et quand ça fait un gros coup comme ça veut dire que... Boum. Ça veut dire qu'ils sont morts. Ok.
Yatta! Dans les balls! Dans les balls! Si, seigneur! Seigneurita! Je peux pas contacter Alfred d'ici. Je dois d'abord grimper. Bah, grimpons alors. Grimpons. Grimpons. Allons là-haut. Avoir un peu de réseau. Parce que c'est vrai que bon, la 4G à Arkham City, c'est plus que c'était quand même. Hein. Alfred, vous avez les coordonnées? World Might Activate. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. Ok, je suis déjà en chemin. Très bien. Eh bien, allons-y. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, je me trompe? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce? C'était pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. C'est déjà une information de l'année. Certains protocoles 10 allaient le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. Tac. Yolza. Est-il arrivé, monsieur? Pile à l'heure, comme toujours, Alfred. Pile à l'heure. Ah, voilà. j'ai un peu de Batman en moi, ça doit être ça. Ou alors j'ai juste regardé beaucoup trop de Marvel et DC. Du coup, les répliques sont assez évidentes en fait. Seul moment où je mets mon masque. Batman à la rescousse. Ah, cette ville, quoi. Alfred, j'ai une clé de cryptage à un garde Tiger. Moi, j'aimerais je pas vraiment inviter là. C'est quoi cette lune? Elle est énorme. The fuck. Putain, ils ont vraiment des problèmes, les gars. Accès au code des diffusions. Très bien. Décoder l'émission. Décodage en cours. Signal décrypté. Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce non, Catwoman. Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense Dent, qu'il a l'intention ce salaud. Comment doit-on procéder? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ah ouais. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Ok, et eh ben pour ça, tu sais ce qu'on va faire? On va aller au tribunal directement. Oh, il y a même une petite ombre de moi, c'est mignon. Les gens ils pensent à tout. Yolta! Ok, passons par là. Et hop! Ça se fait qu'on soit là gelé, alors qu'il se passe des trucs intéressants là-dedans. Fais ce que t'as dit, Double Face! Ah, mais non, mais putain, mais je voulais pas aller là, c'est mais putain de merde. Mais non, c'est pas moi, vous m'avez pas vu. Là, voilà, la porte! Accédons au tribunal de manière discrète, bordel de merde. Enfin, en tout cas, essayons. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, Dent, mon vieil ami. Vous ici. Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de réussir à se faire respecter. La peur, c'est ce qui suscite le respect. Montre-leur comment ça marche chez nous. Mais il faut qu'on soit juste. C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice. Donc entrer l'accusé. Ouais. Catwoman l'accusé. Prendre avec les femmes, Harvey. Ouais. Hey, t'aurais pas fait un peu de chirurgie? Bah, qu'est-ce que j'aimerais pas me faire frapper par ce bras. C'est dégueulasse. T'es dégueulasse, gros. Désolé, j'ai été un vilain chaton. Vilain minou. Je te revois. Fais des bêtises, on va te mettre la tête dans la litière. C'est dégueulasse, bordel de merde. Le procès commence.
Bon, alors. Alors. Allons là-haut. Il suffit d'éliminer le type qui a l'arme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera pas. C'est un plaisir de voir de nouvelles têtes parmi vous. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous allons proposer à chacun d'entre vous une toute nouvelle opportunité. Deux opportunités. Armé. Pour créer une nouvelle force à Arkham City. C'est qui est armé? Mais celui qui est armé, il est mort. Non, c'est Dent. Je voulais pas vraiment arriver là en fait. Ok gros. Wouhou. C'est parti pour le fight de ta vie. Il me tire dessus là. Ah c'est Dent. So. Boum. Et... So. Tiens, coude dans la tête. Côte dans la tête. Objection. Rejeté. Mais gros. Pile ou face, joli minou. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Celle-là, tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Pourquoi? Genre, ils sont un peu assez débiles, ces gens-là. Ça va te faire très je veux dire, mal. Quand t'arrêtes quelqu'un, genre Catwoman, tu lui enlèves... Je lui enlève ses accessoires. Sinon, bien sûr qu'elle va se libérer. Je veux dire, c'est débile. Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Et non, les chauves-souris sont juste immortels. Bitch! Ça balance, Harvey? Ça balance, ça cadence. Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais surprise, besoin de mon aide. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Vraiment très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien que pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Alors ça, si c'est pas le Joker, je m'y connais pas. Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? À très bientôt, Batman. La trajectoire de la balle était chelou. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? J'attendais plus Joker, que ça. Tu es en danger ici. Comme tout le monde. J'ai 9 vies, tu sais bien. Allez, salut. Moi, je veux rejouer Catwoman. Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Ok, essayons ça. Espace. Eh bien. Analyse terminée. La balle est donc entrée par cette fenêtre. Bien vu, l'ami. Apparemment, elle s'est logée là. La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Putain, qu'est-ce que t'es fort, Batman. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Hein. Un maître détective. Hein. Sherlock peut bien laisser habiller, je pense. Ok. Donc on va tout simplement rentrer là-bas. Hop! Partons d'ici. Ça me dirait qu'il va y cet endroit est ridicule. Vieux tribunal tout pourri.
Mais... Oh, enfin ! Batman, tu fais n'importe quoi. Quand je te dis d'aller... Mais arrête ! Arrête ! Arrête de faire n'importe quoi. S'il te plaît. C'est bon, je peux courir maintenant ? T'as passé l'échelle ? Ah là là là. Terrible. Il est toujours là-dedans ? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte ouverte. Je veux pas me retrouver face à Batman. T'avais pas dit que c'était Batman ? Pourquoi on est encore là ? On aurait pu tout se tirer, non ? Tu crois ? Il faut que j'aille là-bas. Tant que tu gardes cette porte fermée, il peut pas sortir et on est à l'abri. Wouhou. Tu as froid ? Bien sûr que j'ai froid. On se les gèle ici. Tout ça parce que cette carte Starley nous a laissé dehors. Coup de pied, non. Yalta ! Mais t'es con, quoi ? Tu me dis que ça fait un coup de pied planant et après tu changes d'avis ? Salut les gars. Boum, 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 boum. Allez, j'aime bien ce bruit. Ce bruit, ça veut dire « Je te défonce !» Easy money, sans pression. Je suis à l'église. On dirait bien qu'Harley Quinn est à l'intérieur. Cette horrible femme est sans aucun doute en train de vous tendre un piège. Ne vous inquiétez pas, Alfred. Quinn n'a jamais été une lumière. Tout ira bien. Quinn, elle est juste là pour la beauté de la chose. Si je peux le dire. Ouvrir la porte. Salut, grosse. Aïe! Ça va, oui? Tu te calmes? Non, mais. Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. Ah, bah non, des prisonniers. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Qu'est-ce que je raconte, voyons, évidemment, à qui elle ne plairait pas? Surtout de ce point de vue-là. Bon, enfin bref, je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. Il ne se sent pas vraiment lui-même. Intéressant comme plaisir. Bon, c'était déjà le cas, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. Essayez, si vous voulez. Mais je ne pense pas que vous allez y arriver. Ouais, c'est ça, salut. Bitch. Bitch! C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ok, on va essayer ça. Surtout pas. Allez, salut! Je me casse. Ils ne savent pas où je suis. Bien, bon. Tâchons que ça reste comme ça. J'ai temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Mm-hmm. Quatre voyous tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là! Il va nous buter! Il a un otage. Tu m'entends? Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Tu me lâcheras pas! Ok. Oh, ce crétin se prend en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Ok. Eh ben écoute, mon gars. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Ça me paraît être un bon plan, tout ça. Faisons comme ça. D'abord, toi, tu crèves. Ça je sais pas comment ils ont fait pour pas entendre ça, mais... Je vois pas. Il peut venir de partout. Reste calme. Batman, tu m'entends? Fous le camp. Tu es toujours là. Tu es prêt à voir. Pas que cette sale garde surtout avec un coup à la place de la tête. Ok. Ouais, lâche-toi un peu. Avec tes pieds, sérieux. Ok, pourquoi ça pas. Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Surtout ne faites aucun bruit. Je reviens de suite. Salut les gars. Hey, qu'est-ce qui se passe? Mais bon sang. Réponds-moi, mec. Y'a un problème. Hop. Et voilà. Easy money. C'est sécurisé. Tout va bien se passer. All will be okay. Okay. Hey, Batman. Merci du coup de main. Ça va, pas de soucis. Moi j'ai crié, je suis juste là. Hein. Tu sais. Bon, et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? C'est une bonne question, ça. Moi, je vais là-bas. Hop là! Nouvelle amélioration de gadget disponible. Ok. C'est cool.
Très bien, maintenant écoutez-moi. C'est nous qui commandons ici, pas ces animaux. Il va falloir qu'on boucle cet endroit. À tous les toubibs, vérifiez les stocks. Voyez s'il manque quelque chose. Et pour Stacy alors, est-ce que quelqu'un va la chercher? Je sais pas trop si vous avez remarqué, mais Batman a sauvé notre peau. Exactement. Si quelqu'un peut la trouver, c'est bien lui. Très bien, tout le monde a compris? C'est qui Stacy? Gardez-vous des blessés, empêchez les ordures d'entrer. On a une équipe, les ordures. Ça change. Ok, bon. Alors du coup, logiquement, il faut toujours que je retrouve le Joker. Joker qui doit être... Mais je peux pas sortir. Centre médical. Si, je peux sortir. Non, je peux pas. On est d'accord. Le feu est parti du clocher. Il faut que je grimpe jusque là. Ouais, oui, ça paraît logique. En effet, l'ami, ça doit être par là, du coup. Ou pas. Ou si, ou non, je ne sais pas. Je sais pas par où c'est. Dis donc. Mais si, c'est par là. Excellent. Allez, on y va. Sans pression aucune. Tout à l'heure, tu me faisais chier parce que tu me t'autant à l'échelle et maintenant, non. C'est une blague. Voilà là. T'es mort. J'ai l'impression qu'elle est contrôlée à distance par le Joker. Bien vu, l'ami. Bien vu, l'aveugle. Hey, des yeux. Regardez qui voilà. Oh, le Joker. Je ne t'ai pas vu depuis quand déjà? Voyons, je me souviens d'un asile de monstres et... Ah oui, que tu m'as laissé pour mort. Ça va, sois pas rancunier. Peut-être pas, mais tant pis. Tu dois te concentrer sur les bombes. Quelles bombes? Oh, des bombes. Des bombes partout, des bombes. Allez hop, c'est la fuite. Bon, maintenant on sait que le Joker m'a tendu un petit piège, hein, parce qu'il aime bien. Et ben on va s'arrêter là. Et puis on recommencera le prochain épisode la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à... Ouais, non. Juste, c'est cool. C'est cool si ça vous a plu. Voilà. Allez, salut!